Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le Witchy Lenormand Poussière d'étoiles qui a été créé par Angie Lumière d'étoiles. Donc ça, c'est la version auto-éditée. Entre-temps, je crois qu'il est paru, il a été édité chez Trédaniel en mass market dans un coffret un peu plus grand, un peu plus gros. Il me semble, mais je ne sais pas trop si c'était toujours un Lenormand qui a été édité ou si c'était un oracle. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a eu un jeu qui a été édité par la suite. Donc là, on a une version auto-éditée. Le jeu que vous tenez entre vos mains a été créé suite à un rêve durant lequel j'ai canalisé les symboles du fameux jeu Le Petit Lenormand. Au réveil, j'ai gribouillé tous ces dessins reçus pour ne rien oublier. Puis je les ai laissés dans un tiroir jusqu'au printemps 2020. La période du confinement m'a laissé du temps pour me lancer dans la matérialisation de mon jeu. Le jeu s'appelle Witchy Lenormand, Poussière d'étoiles, car j'ai depuis toujours aimé observer le ciel étoilé. Les étoiles représentent l'espoir, la magie, les mystères, la guidance et la protection. L'étoile est aussi, selon moi, symbole de notre connexion à l'univers et à notre multidimensionnalité. Grâce au talent de Pauline Ragny, Luma Graphique, illustratrice, mon rêve est devenu réalité. En achetant cet oracle, vous participez également à cette belle aventure. Je vous remercie de tout cœur et vous souhaite des lectures magiques et lumineuses. Amicalement, Angie. Et on a ici les significations des cartes. Des petits mots-clés. Donc il y en a 36, peut-être même 38. Je vois qu'il y a Yin Yang. Et donc on a des cartes qui sont brillantes. Elles sont petites, mais c'est normal. Hein. Le petit Lenormand, il y a toujours un format carte à jouer, poker, comme on dit. Les tranches sont simples. Le dos, donc, ce sont des étoiles. Et donc ils glissent très bien. Voilà. Comme vous avez pu le voir, les cartes ont glissé dès que je les ai lâchées. Donc il est poétique, il est tout mignon pour le coup. Alors, je vais enlever ça parce que ça fait de l'ombre. On a donc le numéro de la carte ici. Alors on n'a pas de nom de carte par contre. Et on a donc la correspondance de la carte à jouer en bas à droite. Et donc le petit Lenormand, c'est un système bien particulier. Ici, il n'y a pas de méthode de tirage qui est proposée. Donc si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, je pense qu'il vous faudra peut-être étudier un petit peu le système avant d'utiliser le jeu. Ce sont des cartes qu'on n'interprète pas individuellement. On doit toujours les tirer avec d'autres cartes et interpréter en fonction des autres cartes. Un petit peu comme une phrase avec le sujet, enfin le nom, oui, le sujet, le verbe et le complément, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Donc on a ici les 36 cartes et puis voilà les deux cartes supplémentaires, c'est ce que je disais. Yin Yang, donc enfin Yang Yin ici, femme et homme. Voilà. Donc voilà pour ce petit Lenormand, Witchy Lenormand, poussière d'étoiles. Je crois qu'il est plus disponible, je crois qu'on peut plus le trouver parce que si effectivement il a été édité en mass market entre-temps, à vérifier, hein, bah forcément il est plus dispo en auto-édité. Mais je ne sais plus si celui qui a été édité, c'est vraiment un Lenormand ou si c'est pas un oracle dans le même style. Il faudrait voir. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça pourra informer les autres personnes qui verront la vidéo. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.